Et salut à tous, c'est Wof, et donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, non pas sur du Call of Duty ou sur LSP, une vidéo différente pour faire la nouvelle année comme il se doit, donc c'est-à-dire dans la joie et la bonne humeur. Bon, évidemment, ça va être une vidéo un petit peu moqueuse et tout, donc pourquoi cette vidéo-là? Bah tout simplement parce que j'ai envie qu'on soit bien, tu vois, qu'on commence l'année 2016 en bonne et due forme, tu vois. On est bien, et donc résultat, bah, y a des gens sur Twitter qui m'ont balancé ça, qui m'ont dit Sylvain Durif. Il y a d'autres, il y a aussi un moment, genre sur YouTube, je vois tendance Sylvain Durif. Je sais même pas c'est qui ce type, tu vois, je sais même pas c'est qui. Je fais, vas-y, on va voir ce que c'est, et ça a été genre débat, c'est tout. Et donc c'est pour ça que, rien que pour ça, je vais faire une vidéo consacrée à Sylvain Durif, le grand monarque, le Christ cosmique. Alors rien que le nom, déjà tu sais que c'est un délire. Bon, le mec il pèse dans le game, 1 million de vues, et c'est pas la seule vidéo sur ce gars, hein. Donc déjà, rien qu'on va écouter ce qu'il va dire. Je vais couper toutes les 30 secondes, tu vas voir. Même pas, toutes les 2 secondes, il y a un truc à chaque phrase qui dit, tout est réfléchi mais tout est là. Mon regarde. Nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte 2 prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana. Nom d'âme, Oriana. Donc déjà, un nom d'âme, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Mais bon, attends, continue. Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert. Donc l'énergie de l'homme vert. T'imagines, il y a le mec de géant vert, des petits pots et tout, qui arrive, des maïs et tout. Non mais c'est un délire. Déjà, le mec la testa, c'est le grand monarque de l'homme vert, Sylvain Pierre Durif. Tu sais, genre le mec il veut peser dans le game, tu vois. Bon, c'est... Attends, c'est rien. T'as pas tout vu, reste encore. Appelle l'homme vert, les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. What the fuck? Attends, à l'âge de 5 ans, tu vois des singes et des serpents danser sur ton lit. Alors, soit t'as pris de la drogue, soit t'as bu un petit verre de limonade avec... non, de chopomi, c'est vrai. C'était du chopomi. Soit t'as bu du trop de chopomi, tu vois. Soit t'étais dans ton rêve. Mais attends, tu vas voir, attends. Donc j'ai été abducté, en fait, par un vaisseau. Il a été abducté. Alors, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire abducté, ça veut dire enlevé, genre kidnappé, tu vois. Genre, carrément, il a été enlevé par un vaisseau. Un des vaisseaux de la Vierge Marie. Vaisseau de la Vierge... Non mais... Frère... Je peux plus, déjà. T'imagines, il y a un vaisseau avec une croix de... Et la Vierge Marie qui fait, toi je t'enlève. Rien que ça, t'as pas vu. Donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, donc, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire. Alors ça, c'est un phénomène que beaucoup de gens subissent, c'est-à-dire l'espèce de déjà vu. C'est-à-dire quand tu fais une action ou que quelqu'un dit un truc, qu'il se passe un truc, t'as l'impression d'avoir déjà vu. Lui, il va te dire carrément, il voit l'avenir. Tu vois, mais attends, c'est pas fini. Soit le lendemain, soit des années plus tard. Et donc, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Bugarache. Alors, ce que j'aime bien en fait, c'est surtout la meuf, la meuf qui tu sais, qui pose des questions. Elle est ultra sérieuse. Et vous êtes donc à Bugarache. Tu sais, moi à sa place, je suis déjà en train d'être mort de rire, tu vois. Genre, le mec en plus, tu regardes sa tête, regarde. Déjà, il a l'air tellement sérieux et il a l'air très. Convaincu de ce qu'il dit, mais c'est pas fini. C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte, donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un roumain en arrivant à Montréal. Le mec est allé à Québec, et là, il y a un roumain. C'est le truc le plus improbable, frère. Mais attends, c'est pas fini, c'est encore pire ce qu'il va dire. Qui m'a dit, mais moi je sais que tu t'appelles Pierre. Voilà, toi tu vois, genre, je sais que tu t'appelles Pierre. C'est il n'importe m'a dit, quoi. J'ai la double vue et ça fait 20 ans que j'ai la double vue. En gros, ça veut dire, il voit dans. Genre, il voit l'avenir, il voit un petit peu, tu vois, genre, en gros, c'est ça l'idée. Je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète, donc et pour la. Pour. Accompagner l'humanité. Attends, avant que tu continues. Il a quelque chose de faire pour la planète. Alors, tu sais, le mec, c'est genre le film américain
tu vois, genre le film américain, le mec qui doit sauver la planète, mais en 10 fois pire, parce que c'est lui-même le scénariste, tu vois, le mec il fait le scénar, il fait l'acteur, il fait tout. Le mec il est à fond, tu vois, c'est Rambo's like mais en mieux. dans la nouvelle dimension qui... Attends, il doit accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension. Mais c'est un sketch. Mais le pire c'est que le mec, il est vrai dans ce qu'il fait, genre tu le sais que le mec il y croit fort dans son truc. Attends, mais ça fait qu'une minute. La cinquième, il m'a dit ben tu devrais t'intéresser à l'Atlantide. Attends, l'Atlantide. On parle de trucs sous l'eau, mais c'est normal, c'est la cité perdue sous les océans. Pourquoi ça vient là? Mais attends. À tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu. Un dieu, le Quetzalcoatl. Toi aussi, toi-même, tu sais que c'est tu sais pas ce que c'est en fait, hein, toi non plus. Voilà, c'est n'importe quoi. Le sous-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un sur. Oh putain. Tu es un homme-oiseau. Ah non mais je peux plus. T'es un pigeon, oui. T'as traité de pigeon le mec. Frère, il s'est foutu de ta gueule lui aussi. Salut, tu es un homme-oiseau. Attends, il va rajouter une couche, attends. Homme, en fait, il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. T'es un surhomme. Mais attends, mais... Oh, mec, t'as des gens, ils ont un ego, mais lui, il est... Genre, c'est un univers, le truc. Le mec, il a un ego. Genre, t'as des gens, ils ont des egos, genre, ouais, moi, je suis plus beau ou quoi, tu vois, dans l'idée. Mais lui, c'est... Moi, je suis plus fort que tout. Moi, je suis le grand... Je suis un surhomme et tout, frère. Je suis au-dessus de toi. Attends, c'est pas fini. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été... À 5 ans, quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc, c'est une planète qui est dans le cosmos. C'est la fameuse planète qui nous a parlé, où il y avait des singes et tout. Enfin, bref, vous avez compris d'ailleurs. Et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhomme, en fait. Ah ouais, il y a carrément des laboratoires de préparation de surhomme. Mais attends, mais un moment, faut s'arrêter, hein, frère. Arrête. Le pire, on dirait que le mec... Attends, le pire, c'est que c'est pas sa seule vidéo. C'est ça qu'il faut noter. C'est que le mec a dit plusieurs fois, sur plusieurs vidéos, la même chose, tu vois. Genre, le mec, j'ai l'impression à chaque fois il en rajoute, tu vois. Genre, j'ai regardé plusieurs vidéos et celle-là est la plus complète, entre guillemets, tu vois. Et à chaque fois il en rajoute. Attends, c'est pas fini. Je suis le grand monarque. Le mec, arrête. Je suis le grand monarque. Ça va, comme toi. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle. Oh, l'énergie du Christ cosmique, ouais, j'incarne Dieu, quoi. Enfin, voilà. Le Christ cosmique, c'est pas Jésus, hein. Ah, c'est pas Jésus. Ah, il nous a fait mentir. Attends. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Tous les croyants, pardonnez-moi pour cette. Il y a Jésus d'un côté et il y a Christ. Il y a Bond d'un côté et il y a James de l'autre. Frère, j'en peux plus. Non mais il faut que tu continues. Attends, c'est que le mec il part dans son autre délire. Attends, c'est pas fini. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisedec. C'est un... Attends. Maintenant, le Christ, il enseigne Jésus. Mais moi je pensais, tu vois, moi je suis pas trop croyant, tu vois, dans l'idée. Mais je pensais, tu vois, que c'était Jésus-Christ. Et pas Jésus une personne et Christ l'autre, tu vois, genre, ouais, on se tape une bouffe, ouais, allez, vas-y, tranquille. Non, lui, c'est Christ, il est au-dessus, et c'est le professeur de Jésus. Ouais, bon, on va voir, on va le laisser continuer son histoire, vas-y, continue. Un maître spirituel qui est dans le cosmos, donc, et qui accompagne les D'accord. êtres de lumière qu'on appelle la Confédération des Maîtres du Cœur Sacré. Attends, parce que tu m'as sorti des maîtres de lumière, alors ça y est, on est arrivé dans Stargate, là, ça y est, c'est Stargate, on est passé de l'homme vert, donc à l'extraterrestre, tu vois, un petit peu dans l'idée, le grand monarque, Jésus-Christ, et ben non, les maîtres de lumière, oui, toujours plus, mais oui. Lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve... Il y
Il m'a fait bidou. Mec, il a sorti. Ouais, on retrouve Jésus, mais aussi Bouddha. Attends, il va nous sortir Allah et tout, tu vas voir. Non ? La Vierge Marie. Qu'est-ce que vous Marie, ressentez à évidemment. C'est que j'ai pu aller sous la montagne, parce que je fais la sortie hors corps, c'est en fait... D'aller sous la montagne. Pourquoi il nous parle de sous la montagne, soudainement ? Le mec est pas du tout régulier. Quand tu as dit ce qu'il dit, en fait, genre le mec, il est allé sous l'eau, pour la clochine, il est allé dans l'espace, pour parce qu'il s'est fait kidnapper, maintenant il va sous la montagne, donc il va sous terre. Attends, c'est pas fini. Le voyage de l'âme, et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière... Il est sorti littéralement de son corps. Genre, tu vois, genre, le mec, c'est genre un Goa'uld, tu vois. Genre, on est dans Stargate. c'est limite ça, ou sinon, c'est un être de lumière, bah oui, forcément. C'est une cité diamant. Cité de diamant, alors là... Arc-en-ciel, qu'on appelle... Arc-en-ciel, alors là, c'est Neon 4. La cité Orcadia. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque... Mais c'est de la Vierge Marie, ils sont de retour. Attention, la scène d'attaque, attention. Mais c'est pas fini. La Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or, qui sont énormes, qui sont immenses, qui sont en forme ovoïdale comme ça. La Vierge elle-même d'ailleurs qui s'est manifestée à moi une nuit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Carrément. Alors le mec, carrément, il a vu la Vierge. Alors Mais c'est quoi ta drogue, frère? Je me teste. Moi aussi, je veux voir plein de choses comme ça. Un message? Non, la Vierge ne parle pas. La Vierge est silencieuse. Le 21 décembre, qu'est-ce que la Vierge est silencieuse. Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure. Donc c'est une ascension intérieure. Donc à l'intérieur du corps de chacun de nous, les hommes. 21 décembre, je crois que c'était la fête du monde, un truc du genre. Hein. Donc faut savoir que la vidéo date un peu, tu vois, même direct dans les qualités, tu vois. C'est pas de la merde, hein, tu vois, genre 360p, tu vois, limite, c'est de la merde. Mais c'est pas grave, on continue. Les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité sur Terre, sous Terre et sur les autres planètes. Attends, sous Terre. Il y a des gens sous Terre, les gars. Les gars, il y a des gens sous Terre. Creusez dans votre jardin, il peut y avoir des gens. Faites gaffe. Vous êtes pas à l'abri de gens qui sont en train de coloniser votre maison, attention. Puisque l'humanité est partout dans le cosmos. Partout. C'est au contraire quelque chose dans la paix et l'harmonie qui est en train de s'accomplir. Oh, c'est beau. Qu'on puisse tous incarner de l'amour, donc entre nous, les humains. Attends, il y a quelqu'un qui est en train de pisser dans le fond de la vidéo. Attends, je la remets juste pour que t'écoutes bien, écoute bien. ...qui est en train de s'accomplir pour qu'on puisse tous incarner... Normal, il y en a un, il s'est vidé derrière. Oh, c'est terrible. L'amour, donc entre nous, les humains, mais aussi avec les autres règnes du vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les... Greenpeace, ça c'est Greenpeace, tu vois. Genre le mec, il a lu le truc de sauver la planète. Moi aussi, hein, je le connais ce truc, hein, tu vois, genre paix, amour, baise, love, ce que tu veux, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est Greenpeace, ça. Fait les gnomes. Vendredi soir. Des gnomes ? Ah, il y a des gnomes, les gars. Les gars, il y a des gnomes. Non, ce ne sont pas des nerfs, c'est des gnomes. Putain, oh, ça parle mal. Alors, comme vous pouvez sortir de votre corps, et le pic... Oui, carrément. Il a pas... c'était pas genre... Tout à l'heure, il nous a dit, on nous a fait sortir de notre corps. Là, carrément, vous pouvez sortir de votre corps. Et lui, il te sort. Oui, exactement. Mec, la testasse. Qui est interdit, le pic de Bugarache est interdit par les cerveaux. Bah oui, tout à fait, Jean-Michel, merci de votre commentaire. Enfin, les gendarmes, donc est-ce que vous allez quand même y aller? Oui, moi, je... Ben, cette nuit, d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau... Il volait. C'est la drogue, les gars. En train de voler dans certaines dimensions espace-temps, donc oui, sûrement que le 21, je serai en train de jouer de la flûte et en train de chanter au chêne vert à Sougragne. Ah oui, faut pas oublier que le mec joue de la flûte aussi, oui. Il fait des petits cours de chant, mais je évidemment. Serai aussi sûrement soit au sommet du Bugarache, soit dans le Bugarache même. Ah oui, carrément, lui, il va sous terre, lui, il n'a pas le temps, lui. Direct, il va creuser son trou, tu vois. Je sais pas où je serai exactement, mais voilà, ça sera sûrement quelque chose comme ça. Bon, voilà,
Évidemment, il est pas méchant, tu vois, si tu mets du rift, mais genre, il est très marrant, ça c'est clair et net. Bon, on se moque un peu, tu vois, mais le mec a l'air très convaincu de ce qu'il fait, il est dans son truc, il a fait parler de lui, il a fait le buzz, et ben je suis content pour lui, hein, si ça a permis de réussir, mais bon, voilà. C'est une petite vidéo assez humoristique, évidemment, hein, ne voyez rien de méchant, mais bon. D'analyser ce genre de vidéo m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Genre, entre je suis le grand monarque, le Christ cosmique, il y a Jésus d'un côté, le Christ de l'autre, il y a les vaisseaux de la Vierge Marie. Évidemment, la Vierge m'a parlé, je me téléporte et je suis aussi un homme de terre, de mer et de l'espace. On m'a enlevé à l'âge de 5 ans. Enfin bref, c'est tout un truc comme ça. Mais le mec a l'air assez convaincu, mais bon. Il est dans son délire, tu vois, il fait pas chier, il va pas te faire chier avec ça, enfin bref, voilà. Sur ce, voilà, c'est une petite vidéo tranquille et tout, posée, tu vois, tu te poses et tout, c'est genre une vingtaine de minutes où tu prends du plaisir avec moi, tu rigoles avec moi, et voilà, donc évidemment, tu poses un maximum de pouces bleus, tu partages la vidéo, et tu t'abonnes à la chaîne, et j'espère que tu passeras une bonne et heureuse nouvelle année après cette vidéo, c'est-à-dire en 2016. Et voilà tout simplement, et sur ce on se dit à la prochaine, et dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo ou pas. Si vous avez pas apprécié, dites-le, j'en referai pas d'autres, hein, parce que bon, peut-être c'est méchant ou quoi, hein, mais en tout cas c'était pas un but d'être méchant, c'est juste un petit peu rieur et tout, je voulais juste un peu d'humour, voilà. Et donc on se termine sur une bon fond de musique et tout, tu vois, genre la bonne année 2016 qui arrive, voilà, et je vous souhaite que des bonnes choses, et on se dit à l'année prochaine.